Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'un d'entre vous dans les commentaires. On m'a demandé si on aurait bientôt, si on disposerait d'énergie libre, comme on nous en parle assez souvent. Donc, je vais regarder dans les cartes. Je vais interroger les guides pour savoir ce qu'il en est. Par contre, vous savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais on ne peut pas poser. Enfin, comment dire? Ça ne peut pas être aussi précis. Est-ce qu'on va avoir l'énergie libre, oui ou non? En général, les cartes, elles ne vous disent jamais vraiment oui ou non. C'est pas aussi précis. On vous explique les choses, on vous explique comment ça va se passer, par quel biais, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de définir en lisant les cartes ce qu'il en est exactement, mais on va passer par des chemins un peu détournés ou un peu plus longs que la question en elle-même, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin bref. Je vais prendre dans un premier temps l'oracle pour savoir, enfin pour connaître l'énergie de cette question, on va dire, concernant les énergies futures, les énergies, on va dire, oui, les énergies libres, les énergies autres que ce que l'on a actuellement. Pardon. Alors, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement, on va faire attention peut-être à nous. On va prendre plus soin de nous, mais alors dans ce sens-là, ça voudra dire que, effectivement, on va faire attention peut-être aux énergies qui nous entourent. L'énergie libre. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Métamorphose. Donc, concernant l'énergie, il va y avoir du changement. Oui, il va y avoir une métamorphose. J'ai du mal ce matin. Tac, il va y avoir une métamorphose. Donc, ça va changer. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Au cœur de la confiance. Donc là, a priori, on aurait une énergie plus, on va dire, qui va changer, une énergie qui va changer, qui va prendre soin de l'humain. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas prendre soin, en tout cas, ne pas lui nuire. Et quelque chose qui sera plus axé sur la confiance, c'est-à-dire qui ne polluera pas et qui ne sera pas dangereux pour la santé. En tout cas, je le vois comme ça. Alors, on va prendre quelques cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de la triade concernant cette question. Hop, je pousse un peu mon petit bordel. L'oracle de la triade concernant... Oh bah. Il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Concernant l'énergie libre. Ah, c'est la clé du mensonge. C'est la clé du mensonge. C'est la clé du mensonge. Ça veut dire qu'on nous ment par rapport aux énergies, ça c'est sûr. On nous ment par rapport à l'énergie libre. On nous ment. Je pense que certains d'entre vous doivent le savoir. On nous ment concernant l'énergie libre. Vous voyez, les cartes ont répondu tout de suite. On nous ment. Donc, le message.
l'eau. Hop, je retrie un petit peu. Hop, il y en a une autre qui saute. Concernant l'énergie libre, on nous ment, c'est la clé du mensonge. Tout est axé sur ça, quelque part. L'isolement, la foudre, la mutation, la méditation. Alors, attendez, je vous les pousse un peu, parce que sinon vous verrez rien. Hop, et l'épreuve. Alors, donc on nous ment, on nous a menti par rapport à l'énergie. Hein. Et comment dire? C'est, enfin, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent le savoir, en tout cas moi je le sais, mais l'énergie. Il faut savoir que l'eau peut produire de l'électricité. Enfin, je pense que quand même, il y a pas mal de monde qui le sait. Hein. Et les anciens le savaient. D'accord ? Les anciens le savaient. Et ça a toujours, enfin, ça a beaucoup été utilisé par le passé. Simplement, on nous a menti là-dessus. D'accord ? On nous a menti. Ah, j'essaie de les attraper. Là, c'est loin pour moi, j'ai des petits bras. Hein. On nous a menti là-dessus. Les anciens le savaient. Hein. Et l'eau est un fort conducteur d'énergie, d'électricité, d'ondes. C'était très utilisé par le passé. Hein. Et je vous parle même de l'Atlantide, là. Hein. Je vous parle des générations antérieures à l'humanité telle qu'on la connaît. Et on a voulu, en fait, abuser, on va dire, de l'être humain, en tout cas, le faire se sentir plus, enfin, l'isoler, voilà, l'isoler. Parce qu'en fait, quand vous savez que l'eau est un excellent conducteur pour l'électricité, vous faites tout pour le mettre en œuvre, vous faites tout pour l'utiliser. Et on nous fait croire, à l'heure actuelle, que l'électricité ne peut s'exploiter que par le biais de centrales électriques, que par le biais de câbles. Or, les anciens savaient très bien que l'électricité pouvait être captée, l'électricité statique notamment. Vous voyez, là, on parle de la foudre. L'électricité statique pourrait très bien être utilisée en étant ramenée, en fait, en étant captée et en étant diffusée par l'eau. Voilà, j'ai vu des documentaires notamment par rapport aux châteaux forts, par rapport aux forteresses dans le Moyen-Âge. Les gens le savaient, très bien. Mais on a détruit toutes ces constructions. Y a des chaînes qui en parlent. Enfin, il faut fouiner les gens, il faut chercher. Si vous cherchez, vous trouverez les réponses. Mais l'énergie n'est pas ce que l'on vous dit qu'elle est. D'accord, l'énergie telle qu'on la connaît par le biais de câbles électriques, c'est du mensonge. D'accord, c'est pour profiter de nous, c'est pour nous faire payer toujours plus, pour nous pomper en fait, pour nous sucer jusqu'à la moelle en fait. D'accord, donc ça va changer dans un avenir plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, nous allons changer cette façon de fonctionner. Peut-être des révélations vont être faites, mais en tout cas, la situation va évoluer ici. Hein. Alors, on nous dit que ça peut être une épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, puisqu'à chaque fois, enfin, du moment que l'on va exploiter l'énergie d'une manière différente, ça fera plus d'abondance pour nous, effectivement, puisqu'on va gagner en pouvoir d'achat, j'ai envie de vous dire, puisque si l'énergie devient libre et gratuite, bah, c'est plus de sous-sous dans la popoche. Mais bon,
pour le moment, voilà, on aura un choix. Alors, un choix peut-être pas individuel, mais un choix à faire pour l'humanité, carrément. Hein. Ouais, carrément. Carrément, mais carrément, quoi. Alors là, on nous parle d'une énergie féminine. Énergie féminine, bon, l'eau est féminine, bien sûr, mais l'énergie masculine aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, les humains vont s'unir dans cet objectif, on va dire, vont s'unir pour développer un système énergétique beaucoup plus fiable et beaucoup plus sain pour l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. Donc, a priori, oui, on devrait tendre, en tout cas l'humanité, regardez comme c'est joli, devrait tendre vers un système énergétique plus sain et, bref, enlever tout ce mensonge qui nous entoure, hein, faire de nouvelles découvertes. Faire de nouvelles découvertes. Non, en fait, c'est des choses qui existaient déjà avant, en fait. On va juste les remettre à l'avant de la scène et puis les remettre au goût du jour pour que l'humain en profite enfin, quoi. Mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou, tout ce qu'on nous a menti, tout ce qu'on nous a caché. Je vous dis, hein, faites des recherches sur l'énergie au niveau des forteresses et des châteaux forts au Moyen-Âge, et même avant, on va dire. Hein. Moi, j'ai vu un reportage, mais de fou, quoi, là-dessus. Et que les anciens captaient l'énergie par le biais des cathédrales. Pourquoi les cathédrales ont cette forme? Pourquoi les ponts, vous savez, les ponts aussi ont cette forme en, comment dire, en arche. Les arches, en fait, pour conduire l'eau. En fait, l'eau, enfin, c'est un truc de fou. Le reportage, il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Il est super intéressant. Mais j'ai plus le nom, en fait. Et on vous explique que les anciens en avaient conscience et le faisaient déjà, enfin l'utilisaient déjà, sauf qu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit toutes les structures qui permettaient à l'énergie de circuler librement et gratuitement pour des populations, quoi. C'est un truc de fou. Quand vous regardez dans ce même reportage, on vous montre des images des années 1900 où des villes entières étaient illuminées le soir sans aucun câble électrique, mais c'était des grandes roues, des lampadaires, des autoroutes, enfin des routes, des maisons, tout était illuminé sans câble. Et ensuite, on a fait une remise à zéro et on a tout réinitialisé et on a effacé les mémoires. Voilà, on a effacé les mémoires parce qu'on a effacé les ancêtres. Enfin, si vous vous intéressez à ce genre de choses, hein, à ce genre d'histoire, à ce qui était avant, en fait, faites des recherches. Parce que je vous dis, moi, j'ai trouvé des choses magnifiques, des choses... Je suis tombée sur le cul. Mais bon, on va peut-être dire que je suis une folle, mais il faut se renseigner, les gens. Alors, oui. C'est des gens... Enfin, c'est des gens qui sont cruels, hein. C'est des gens qui sont contre nous. Hein. Ils veulent nous asservir, donc vous voyez, là avec le tarot de Thoth, on nous dit que la science va évoluer, hein, puisque leur système d'oppression va être, on va dire, annihilé quelque part, puisque on va transformer la science, en fait, hein. On va la faire évoluer, mais dans le bon sens, dans le sens de l'humain. Et moins pour le profit, en fait. Hein. Vous voyez, on va être centré sur nos émotions. Ici, vous avez l'eau, vous avez les émotions. Et en fin de compte, tout ce qui est système d'esclavagisme, hein, l'oppression ici, hein, va petit à petit disparaître. Hein. Vous voyez, c'est la fin de leur système d'oppression. C'est la fin de leur système d'oppression. Parce que la justice est là. C'est marrant, ça
Ça sort toujours, la justice, elle sort toujours dans mes cartes. C'est hallucinant. Et après, on vient nous dire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais la justice, elle sort toujours. Elle sort toujours. Voyez, on va lutter contre leur système d'oppression. Et la roue ici, la roue va tourner et on va acquérir. En fait, on va enfin accomplir ce pourquoi on est fait. Ce pourquoi on est là sur Terre. Voyez, et là enfin, on va obtenir ce que l'on veut. On va obtenir satisfaction. On va être libéré. Voyez. Donc, oui, je pense que le système actuel tel qu'on le connaît, de l'électricité, de l'énergie en général, ça va changer, ça va évoluer. Alors évidemment, hein, c'est une lecture de cartes, c'est de la voyance. Donc ne vous attendez pas à ce que ça change demain matin. Hein, les voyances, c'est jusqu'à 5 ans hein, dans l'avenir. C'est jusqu'à 5 ans dans l'avenir. Donc ça peut venir, vous voyez ? C'est pour le meilleur. On va réussir. Mais ça prend du temps. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, mes guides, c'est eux qui me font parler. Et ils parlent à travers moi. Et ils me sortent les cartes en même temps que je parle. C'est un truc de fou. Ça va prendre du temps. Mais on va réussir. Ici, vous avez le soleil. Donc, on va réussir dans cette entreprise. Ici, c'est le succès. Et là, enfin, voilà, on va réussir dans cette entreprise. Le système va évoluer, le système énergétique va changer. Mais comme je vous dis, c'est pas demain matin, d'accord ? EDF ne va pas s'arrêter de fonctionner demain matin. Enfin, à part si on a un blackout, bien sûr. À part s'il nous le coupe cet hiver. Mais ça va changer. Je vous dis une voyance, il faut voir ça sur les 5 ans, dans les 5 ans qui arrivent. Hein. Je parle surtout pour... l'évolution du système énergétique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, je ne pense pas, à moins qu'on switch, hein, qu'on switch comme ça, et que c'est déjà prévu, mais qu'on ne le dit pas. Enfin bref, vous voyez le déroulement de mon truc. Enfin voilà les gens. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. C'était pour répondre à une question que l'on m'a posée, et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions, et si je peux y répondre, eh bien, je le fais avec plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le en cliquant sur la petite cloche. Alors vous avez la cloche et puis vous pouvez aussi, tout au long de la vidéo, vous avez mon logo qui s'affiche en bas de la vidéo pendant qu'elle tourne. Vous pouvez cliquer dessus, hein, ça vous abonne directement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. Mettez-moi des likes, hein. Mettez-moi des likes parce que ça aide à ce que la vidéo soit plus visible sur YouTube. Et je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt les gens, ciao ciao.